Maintenant, ce qui est fascinant ici, c'est d'observer les procédés littéraires. J'ai suivi un séminaire il y a quelques années à l'Université de Fribourg sur les jeux de mots et la professeure a mentionné comme ça, est-ce qu'il y en a dans la classe qui connaissait ça? Ben évidemment, vous, monsieur, vous êtes Canadien. Et elle-même a dit à quel point c'est un délice. Et là, je me suis un petit peu amusé à analyser, ça c'est la joie du texte écrit, à regarder les jeux de mots, les procédés des jeux de mots de Sol. On pourrait écrire une thèse sur les transformations langagières de Marc Favreau. Et là, je ne fais pas ça comme un expert, mais je fais juste évoquer certaines choses. Première chose, c'est les transformations propres au personnage de Sol. Extraordinaire, qui est systématique. L'ajout de X, donc des mixtères au lieu des mystères. La transformation anglicisante en ing pour beaucoup de mots. Alors, il faut faire du relaxing plutôt que de se relaxer. Ce sont des transformations systématiques qu'il fait. Et là, ça construit le personnage au fil des années. Il fait beaucoup de mots-valises, donc il prend deux mots qu'il mélange ensemble et là, on se retrouve avec les deux sens en même temps. Un exagérant dans un texte sur la gestion, donc plutôt que de dire un gérant, un exagérant, et on pense tout de suite à exagérer. Il prend beaucoup au pied de la lettre les expressions figurées, donc dans le texte sur l'évolution de l'homme. L'homme monte sur le singe, puis à un moment donné, la femme arrive et puis lui dit « Un instant, je descends du singe et je viens te voir. » Donc, il prend au pied de la lettre des expressions figurées, ce qui ajoute à son côté naïf de personnage. Et très souvent, il change seulement une syllabe et que ça nous donne tout de suite deux sens. Et c'est ça qui est fascinant. Donc, tant avec le mot valise qu'avec le changement de syllabe ou le mot dans le mauvais contexte, à chaque fois, on entend un mot et on n'a tout de suite pas un seul sens qui nous arrive en tête, mais bien deux. Je donne un exemple. Dans les textes sur la colonisation, plutôt que de dire les indigènes, qui était un terme courant dans les années 70 pour parler des Premières Nations, des peuples autochtones, aujourd'hui c'est un peu moins à la mode, mais c'est le terme qu'on employait à l'époque, il les nomme les indigents. Alors nous, on sait que c'est les Français qui débarquent et ils rencontrent les indigents. On comprend tout de suite les indigènes parce que le reste du texte nous mène vers ça. Mais en même temps, on comprend aussi le mot « indigent ». Il y a 400 ans, lors des premiers moments de la colonisation, ce n'était pas du tout des peuples indigents. Mais en 75-80, quand ces textes-là sont écrits, et encore aujourd'hui, en 2021, beaucoup de ces nations-là sont indigentes. Et ici, il dénonce l'indigence, mais d'une manière qui n'est pas dénonciatrice, qui est poétique. Et à chaque fois, nous, on se retrouve avec les deux mots superposés, les deux sens superposés. Les procédés stylistiques qu'il emploie, la manière de jouer avec les mots, les doubles sens qui sont denses, il y a matière littéraire ici. Pour moi, non seulement Marc Favreau appartient à l'histoire de la littérature québécoise, mais il a une place majeure qu'il devrait garder. C'est un de nos grands poètes. Merci de votre attention et bonne lecture.